Camille, allez, on se dépêche un peu. Je veux pas être en retard au campus. Entrez. J'irai pas au campus aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Je n'irai plus jamais. Et pourquoi ça, Camille? Bah parce qu'avec Milana, on s'est disputé. Et alors, vous avez qu'à faire la paix? Je veux pas faire la paix avec elle. C'est sa faute de toute façon. Elle devrait me demander pardon. Fais ce que tu veux alors. Qu'est-ce qu'il y a encore? Amina, attends un peu, j'arrive. Oh bon sang, c'est moi la plus belle. Tu sais, j'ai tout compris. Regarde ici, ex-meilleure amie. Si tu veux t'en réconcilier avec moi, t'as qu'à le dire. Pas la peine de mentir. Quoi? Tu crois que moi, je veux me réconcilier? In, t'as entendu ça? Hein? Ha 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 ha! C'est la chose la plus stupide que j'ai entendue de la journée. Eh bien, souvenez-vous de ça, une bonne fois pour toutes. La jolie Laura n'a jamais supplié et ne suppliera jamais personne. Alors, tu comprends ça, In? Alors pourquoi t'as envoyé ce mot en avion à Angie, hein? Quoi? Mais ça vient pas de moi, ça! In, rends-moi cette note, s'il te plaît. C'est clair que c'est elle qui l'a écrit, tu le sais. Angie, mais je le sais bien, c'est ce que j'ai dit. In, rends-toi utile et force-la à l'avouer une bonne fois pour toutes. Mais c'est ce que j'ai fait! In voulait parler de la note. Celle-ci. Qui a écrit cette foutue note? D'accord? C'est même pas mon écriture, alors laissez-moi partir, vous deux! Allez, bougez-vous de mon chemin! Oh, elle n'est qu'une sale menteuse! Sale menteuse, ouais! Camille, alors tu m'as pardonné de t'avoir frappé l'autre jour? Tu sais, quand tu embrassais Mandy? Ouais, on oublie ça, Milana! Ça m'a même pas fait mal de toute façon! C'était juste un peu inattendu! Alors on fait la paix? On fait la paix. Ah, Camille et Milana sur un banc s'embrassent, ils s'embrassent. Tu nous emmerdes, toi, avec tes bisous, bisous. Max, tu ne trouves pas que ça fait quand même un moment que tu ne m'as pas embrassé? Cathy, mais on s'est embrassé il y a 5 minutes. Max, mais qu'est-ce que tu racontes, voyons? Tu sais, 5 minutes, c'est long. J'en veux un autre. Cathy, j'ai peur que les ados nous surprennent. Pas de panique. Ils ne verront rien. Nous sommes dans ton bureau. Et les ados ne peuvent pas entrer sans frapper d'abord. D'accord, un petit baiser. Max? Choc! Qu'est-ce que tu fais à entrer ici sans frapper d'abord? Choc, qu'est-ce que tu veux? Max, il y a quelque chose, je dois changer les caméras du campus. Choc, pas maintenant, Cathy et moi sommes occupés en ce moment. Allez, dehors! Mais Max, c'est important, si un intrus entre sur le campus, je ne le verrai pas. C'est un danger. Choc, t'es sourd? Max a dit qu'on était occupés. On s'occupe de choses très importantes, tu comprends? Beaucoup plus important que tes caméras. Très bien, Max. Alors, je vous attendrai ici. Continuez votre travail, hein. Je suis pas pressé. Je vais fermer les yeux. Choc, sors d'ici et attends-nous dehors. Très bien. J'attendrai dehors. Cet idiot. C'est cool. Taisez-vous à la fin. Bientôt, je ferai plus partie de votre équipe de losers. Oh, merci, frère. C'est plus confo. Bande de perdants. Les gars, devinez quoi? J'ai trouvé $50 sur le chemin du campus. Nom d'un chien. Ponka, non mais t'as de la chance. Eh, les gars, et si on sortait ce soir? C'est Ponka qui achète. Oh oui, achetons beaucoup de pizza, de burgers et du cola. Goofy, c'est très mauvais de boire du cola comme ça. Pas pour moi, c'est pour Dylan. Il vient de Miami, tu te souviens? Ils boivent des litres de cola là-bas. Goofy, t'es si vertueux et réfléchi.
Pas ici, Goofy. Plus tard. Ah, la bonne odeur du fric. C'est ça que ça sent chez moi. Dylan, je ne paierai la traite à personne. Cet argent n'est pas à nous. Nous devons trouver à qui elle appartient et la lui rendre. Oh, la revoilà. J'avais complètement oublié que nous avions Miss Justesse dans l'équipe. On n'a pas à la rendre à qui que ce soit. C'est toi qui l'as trouvée, alors cette monnaie t'appartient. Non, Dylan. La monnaie n'est pas à moi. Nous devons la rendre. Et je ne changerai pas d'avis si tôt. Oh, c'est pas vrai. Bye bye, cola. Bye bye, pizza. C'est bien, Ponka. C'est la bonne chose à faire. Rends-moi ça. Je l'ai perdu ce matin. Cet argent est à moi. Plus personne ne bouge, restez là! Rends-moi cet argent! Hein? Mais quoi? Et t'es qui, toi, au juste? Maintenant, elle est à moi! Hé, mec, tiens, voilà 5 dollars, au cas où tu en aurais besoin de plus! Goofy, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu lui donnes plus d'argent comme ça? Mia, c'est un hold-up! On doit lui donner tout ce qu'on a! Arrête de parler, connard! Et rends-moi l'argent! Tiens, prends ton argent! Recule! C'est quoi ces conneries? Et comment il est entré au campus, celui-là? Pourquoi Chuck l'a laissé entrer? Oh non! Maintenant, il a pris l'argent qui appartenait à quelqu'un d'autre! Et comment je vais les récupérer, maintenant? Oh, on devrait les rendre, on devrait les rendre! Bien joué, Miss Justesse! C'est votre faute, perdant! À cause de vous, il a volé mon argent! Oh. Lola, où est Chris? Pourquoi diable n'est-elle pas à l'entraînement en ce moment? Je ne sais pas, elle arrivera probablement bientôt, c'est tout. Bon sang, je suis tellement douée au tennis! Hé les gamins, cette Laura est jolie, je voudrais sortir avec elle. Quoi? Bah vous êtes sourds ou quoi? J'ai dit que Laura est canon, elle est jolie. Alors t'as le béguin pour elle, c'est ça gamin? Un peu. Si Chris la prend, tu vas être cuit. Elle va te botter au cul. Eh bah, il a pas besoin de le savoir. Pas si vous vous taisez tous, les gamins. T'es un mec risqué, toi. Vous savez quoi? Je vais lui apprendre comment on tient une raquette. Et tu sais comment tenir une raquette? Non. Salut, beauté. Tu veux un peu d'aide? Salut, toi. Dis, Doc, est-ce que tu sais comment on joue au tennis? Un peu, ouais. Alors, ouais, aide-moi. Allons-y. Alors tiens la raquette solidement, frappe en haut et balance. C'est bien, tu as un grand avenir au tennis, toi. Merci, Doc. Tu es un bon entraîneur. Essayons encore cette fois-ci, un peu plus fort. J'y crois pas. Il est vraiment en train de lui montrer comment jouer au tennis. Mais c'est quoi ce bordel? Il sait même pas comment jouer, le gamin. Dan, t'es aveugle. Il sait vraiment comment jouer. Bonia, regarde Doc, il est en train de draguer Laura. Oh, ce serpent, il a perdu la tête. Je vais appeler Chris et tout lui raconter. Allô, Chris, où es-tu? Figure-toi que ton petit Doc est en train de faire des avances à Laura. Viens le voir par toi-même, alors. Ah, dépêche-toi. Il est mort, lui. Oh, Chris, salut! Je lui apprends comment jouer au tennis! Aïe, mais c'était quoi ça? Qu'est-ce que tu fais à draguer Laura? Chris, il ne faisait que m'aider à m'entraîner! Ah, le gamin, on dirait que t'as des ennuis! On t'avait prévenu! Hé, hey, personne ne bouge! Je suis un voleur! Et si quelqu'un bouge, il va prendre une batte à la tête! Hé, hey, le gamin, c'est ma batte, ça! Tais-toi un peu, elle est à moi, maintenant! Ok, je l'aimais même pas, de toute façon. Tu peux la garder. Maintenant, vite, que tout le monde mette leur téléphone dans ce sac! Et rendez-moi ce que vous avez! Lola, j'ai peur. Je te rendrai pas mon téléphone! C'est bon, je plaisantais. Voilà le mien! C'est bien fait pour vous! À plus! Les gars... C'était qui, ça? J'espère que c'était une farce. C'était pas une farce, c'était bien un vol. Doc, t'es idiot! Qu'est-ce qui te fait rire?
Ton téléphone vient d'être volé. Tu veux une barre chocolatée? Non, merci, mon frère. Avec des cacahuètes? Hulk, j'ai déjà dit que j'en voulais pas, merci. Eh bien, tu devrais. Le chocolat, c'est super. Ça donne de l'énergie toute la journée. On ne bouge plus. C'est un vol. Quoi? Mais t'es qui, toi? Hulk, non, fais pas ça. Ça pourrait être dangereux. Je viens de voler tous vos copains. Alors, vous êtes les derniers. Croque les filles, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas peur de toi. Amina, assis-toi. Moi, j'ai un peu peur. En fait, très peur. Allez, donnez-moi tout ce que vous avez. Argent, téléphone, bijoux. Très bien, tu peux prendre mon téléphone. J'en veux pas de toute façon. Je ne vous donnerai pas mon téléphone. Moi non plus. Quoi? J'ai dit donnez-moi vos téléphones ou je fais exploser cet endroit. C'est quoi tout ce bruit ici, hein? Et t'es qui, toi? C'est quoi ce bordel? Cette mascarade? L'Halloween est terminée il y a longtemps, idiot. Oh, hé hey. Ça va? Sympa. Mais qu'est-ce que tu fais sur le campus? Je croyais que t'étais en Corée. Salut les gars, vous avez trouvé ma petite farce drôle? Non, Hulk, je t'en supplie, épargne-moi. Sympa, tu m'as manqué. Allez, viens ici, mon frère. Oh, toi aussi, mon frère. Hulk, tu m'étouffes, là. Hulk, recule un peu. Re-bienvenue, mon frère. Oh, regardez les mecs, ils sont si mignons. Les amis, voilà le truc. J'ai volé la moitié du campus, mais je plaisantais. Pouvez-vous m'aider à leur rendre leur truc? Sympa, t'inquiète pas, t'as rien à leur rendre. Allons donc jouer au basket. Hulk, de quoi tu parles? Moi, je veux récupérer mes affaires. Allez, on y va. Ok. Les gars, je suis un peu nerveux. Regardez leur visage. On dirait qu'ils vont me taper dessus. Quelqu'un pourrait m'aider, hein? Écoute-moi bien, sympa. C'est toi qui les as volés? C'est toi qui dois les rendre. Ok. Rends-moi mon téléphone, toi! Je vais te frapper à la tête avec ma batte! Désolé, mec. T'es un trou de cul, toi! Ce n'était qu'une petite blague. Toi, je vais me souvenir de toi. Je sais où tu vis. Fais attention! Oh, allez, c'était une farce. Dors avec un œil ouvert dorénavant. Oh, allez, je croyais que ça serait rigolo. T'as de la chance, toi! J'étais sur le point d'appeler mon avocat pour me défendre. Taré. Laisse-moi reprendre mon argent, merci. Et sympa, t'as de la chance que je n'avais pas d'argent, ou sinon je te ferais... Dylan, t'as jamais d'argent. Tais-toi, Mia. Je t'ai dit que c'était temporaire. Oh. Je pensais que ça serait drôle, je suis désolée. Regardez, j'ai tout rendu. C'est bien. Les amis, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Appuyez sur la petite cloche et attendez nos nouveaux épisodes. Bye!